Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Xavi Hernandez au FC Barcelone. Mais avant de parler de Xavi qui est selon moi un excellent milieu de terrain, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Xavi Hernandez au Barça. Plusieurs médias catalans annoncent qu'il n'y a plus aucun doute quant au fait que Xavi Hernandez prendra la relève de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur du Barça. Il en a été le milieu emblématique de 1998 à 2015. Ronald Koeman licencié, il faut désormais lui trouver un remplaçant. Et c'est un joueur mythique du FC Barcelone, Xavi, que la presse catalane voit prendre les rênes de l'équipe. Actuellement entraîneur du club qatari d'Al Sadd, l'ancien milieu de terrain a obtenu de très bons résultats avec son équipe, décrochant en juillet dernier le titre de meilleur coach du championnat. L'arrivée de Xavi Hernandez pour s'asseoir sur le banc du Barça à la place de Ronald Koeman a été actée, assure Mundo Deportivo dans son édition de ce jeudi 28 octobre. L'officialisation de la nouvelle ne serait qu'une question d'heure, annonce le média catalan. En attendant, c'est l'entraîneur de la réserve du Barça, Sergi Barjuan, qui assure l'intérim. Le quotidien catalan titre lui un de ses articles « Tous les chemins mènent à Xavi ». Quand il aura réglé toute la pépérasse, Xavi Hernandez sera le nouveau coach du FC Barcelone, explique l'article. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Xavi Hernandez au Barça en tant qu'entraîneur, c'est une bonne idée? N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut.